Cyprien, c'est parti pour les 12 infos du vendredi 4 mars 2011. Et demain, c'est l'anniversaire d'Eva Mendes. Et je fais une prière pour être invitée à sa fête. Il paraît qu'elle est super généreuse avec les hommes. S'il vous plaît. Si seulement. Tout de suite, la breaking news. Dans l'émission Chercheuse de talent chilienne, le candidat 893 a déjà un surnom, Shakiro, car il imite Shakira. Et on peut comparer, il est plutôt doué. Beaucoup moins pour ce qui est de choisir ses chemises. Hein, on peut porter plainte pour agression visuelle à ce niveau-là. La beauté du jour, c'est cette jolie brune encore inconnue du grand public. Oh non, c'est Justin Bieber avec une perruque. Non mais il est partout, c'est pas possible. Arrête de nous pourrir notre 12 infos, Justin. Ils sont sympas, les people entre eux, pour soutenir Jay Leno qui n'a pas pu venir aux Oscars. On organise une petite collecte de cadeaux. Oh, sympa le bisou. Ah, merci pour les lunettes. Et Heidi Klum, t'as pas un truc pour Jay Leno? You want my underwear? Ah, quand même, parce que moi aussi j'ai pas pu venir, en fait, j'avais poterie ce jour-là. Non, ça marche pas. Et pendant ce temps-là, à Espírito Santo, au Brésil, il manque un rien pour passer, mais vraiment pas grand-chose, 2 ou 3 mètres, quoi. Ouais, puis un camion décapotable, hein, c'est tendance, finalement. Ce député anglais a l'air très peu intéressé par le discours du secrétaire de la Défense, il n'arrête pas de se gratter. Ah, mais il se gratte pas? Il joue de la guitare? Ah d'accord, il s'entraîne à refaire le générique du 2 infos. Le pardonne alors. L'astuce du jour, vous voulez ouvrir une bière mais vous n'avez pas de décapsuleur, c'est pas grave, une tronçonneuse ça suffit. Demain, on vous montre comment se raser la barbe avec une tondeuse à gazon. Et pour finir, l'équipe allemande du Borussia Dortmund s'entraîne tout le temps, même pendant les trajets en bus, en essayant de faire une passe au gardien au fond du bus avec un rebond sur un pont. C'est impressionnant, et si c'est pas truqué, ça ne sert à rien. Hein, à quel moment tu joues un match de foot dans un bus? Tu m'expliques? On commence avec la polémique du jour. En effet, la très grande artiste Britney Spears est accusée de plagiat pour son dernier single Hold It Against Me, qui donne ça. Voilà, et maintenant la soi-disant chanson plagiée, If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me, des Bellamy Brothers, qui est sortie en 1979. Bon, je n'ai pas l'oreille absolue, mais la ressemblance ne me saute pas aux oreilles comme ça d'un coup, quoi. Notamment ces quelques notes. Voilà, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la musique de Britney Spears. Ensuite, c'est peut-être moi, hein, qui juge mal. C'est bien, j'ai trouvé ton sosie pour te remplacer le jour où t'es malade. Ah, je veux bien voir. Allez, viens. Et voilà. Je suis pas certain, peut-être. Attends, c'est normal, attends. Bonjour, c'est Cyprien. Ah ouais, ouais. Ah si ouais. Aïe. Eh, t'es bon toi. Ah, c'est un bon, hein. Tu l'as trouvé où? Vous voulez la connaître? Vous n'attendez que ça. Je vais vous parler de l'invention du jour. C'est un téléphone portable d'un nouveau type inventé à l'université d'Osaka. Ça s'appelle l'Elfoïde et il ressemble à ça. Il fait rêver. Hein, ils lui ont donné une forme humaine pour qu'en plus de communiquer par la voix, l'Elfoïde puisse aussi retranscrire les émotions avec son visage si charmant. Sympathique. Hein, par contre, ça va être compliqué pour téléphoner. Bah oui. Ils sont où les boutons? On est filou aux 12 infos. Quoi et quoi? Eh, regarde, c'est mon nouveau téléphone. Wow. T'as vu? Il est tout nouveau. Je sais pas trop comment m'en servir, mais je veux bien ajouter ton numéro de téléphone. Ok, bah alors mon numéro c'est le front, nez, bouche, gauche-gauche-droit. C'est quoi gauche-gauche-droit? Bah gauche-gauche-droit. Ah, c'est des boutons ça? Bah oui. Ah oui, effectivement. Ah bah tiens, je crois que t'as un coup de fil. Ah oui, ah. Allô? Oui. Ah, allô? Je t'entends mal. Attends, je t'entends bien maintenant. L'info insolite, hein. Bah oui, il se passe trop de n'importe quoi sur Terre pour passer à côté. On a trouvé la famille des Padoués, mais alors vraiment, vraiment pas. En effet, un père de famille dans l'Alabama, aux États-Unis, comme par hasard, a accidentellement fait tomber son pistolet qui lui tire une balle dans la jambe. Ce n'est que le début, attention. L'homme appelle sa femme à l'aide, c'est son fils qui vient le premier, ramasse le pistolet et tire sans faire exprès sur la mère qui descendait les escaliers. Si eux, ils sont pas... Ah! Non, monsieur le juge! J'ai pas fait exprès, c'est pas ma faute! Oui, tout à fait, hein, mon fils est innocent, j'ai... pas fait exprès, j'ai pris le pistolet qui était par terre! Je l'ai pris, je sais pas à qui il est! Oh, ouais, effectivement, le... D'ailleurs, j'ai l'arme du crime sur moi, hein, regardez, elle est là et... Mon pied! Oh putain,
Je suis désolé, hein, je... Oh. Est-ce que c'est possible de nous mettre en prison, s'il vous plaît? Dans une cellule capitonnée, de préférence. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui, et comme disait le proverbe mérovingien, attention les cheveux. Ils sont très forts en proverbe, les mérovingiens. Bon week-end.